Le parc Chano, 7 salles et parcs d'exposition répartis sur 17 hectares. Le complexe n'a pas bougé depuis les derniers travaux en 1960. La ville de Marseille souhaite un relooking pour un lieu plus ouvert au grand public et plus attractif. Les études que nous avons faites indiquent qu'il serait favorable qu'une allée centrale puisse traverser le parc, très arborée. Et il faut aussi mettre les salles, à moderniser ces salles pour pouvoir accueillir des salons beaucoup plus importants et des congrès beaucoup plus importants. Détruit, le Grand Palais serait reconstruit plus loin. Les nouveaux halls devraient atteindre 40 000 m² de surface contre 27 000 actuellement. Pas de travaux avant 2021, mais rien n'est arrêté. Le nouvel opérateur choisi par la ville devra lui proposer ses idées. La SAFIM, responsable de la Foire internationale de Marseille, est le gestionnaire des lieux depuis 1906. Son contrat avec la ville s'achève en décembre 2019. Contactée par téléphone, la SAFIM a indiqué ne rien déclarer à ce jour. La nouvelle délégation de service public sera votée au conseil municipal le 25 juin prochain.